Sandrine, comment tu dis bonjour à tes amis, à ta famille? Alors moi, je suis très bisou. Donc en fait, souvent, nous ici dans le sud, on fait 3 bises. Oui. Donc selon, en France, ça peut être différent. Ça dépend les endroits. À Paris, ça peut être 2 bises ou 2 bisous, voilà. Donc, mais moi, je suis quelqu'un de très, très tactile, donc j'ai besoin d'aller voir les gens et leur faire un câlin ou voilà. Donc je suis très... amicale rapidement et vite familière, on va dire. Oui. Chez nous, on a beaucoup plus d'habitudes telles que salut, coucou ou bonjour, ça va de l'impersonnel ou à la famille ou bien entre amis. Entre jeunes aussi, on a des checks et des relations avec les mains, etc. Enfin, ah oui, mes enfants, je fais un check aussi. Oui, voilà. c'est un nouveau lien aussi, mais c'est sympa pour dire bonjour. Enfin, ça, pour bien commencer la journée, c'est sympa aussi. Mais voilà, les différentes façons de dire bonjour en fonction de la personne en face de nous. Oui, après, des fois, ça va être. Oui, par exemple, quand on part aussi, ça va être allez, ciao, bye, ciao, salut. On emprunte aussi à d'autres langues. Tout à fait. Coup, alors, dans certaines circonstances, ça peut être mal considéré, mais sinon, non, en France, c'est très bien, ciao. Oui, voilà. Et puis même, on fait la bise aussi, des fois, pour dire au revoir. Bon, après, si on ne connaît pas vraiment la personne, on va lui serrer la main. Oui. Mais après, c'est vrai que dire au revoir... Ça reste basique. Plus, salut. C'est ça.